Usine de robots. C'est la plateforme pétrolière? C'est la plateforme pétrolière. Je crois que j'étais au niveau 4. Et on est au niveau 3. Re-bienvenue, donc toujours pour la VOD, hein. Troisième niveau de Spy vs Spy. On est à la... Alors moi j'ai tendance à l'appeler la plateforme, mais apparemment c'est l'usine de robots. Le général se sert de cette usine pour construire une armée de robots. Interrompez la production et stoppez nos ennemis. Okay. Réparez l'ascenseur, assemblez des éléments robotiques, construisez un robot. Réparer l'ascenseur, c'est la plateforme ou pas? Non, c'est vraiment... Ah mais putain, non, mais en fait, c'est... Alors, j'étais... C'est pas du tout celui que j'avais en tête. C'est une plateforme, mais donc ça doit être le 4ème et je suis allé au 5ème niveau. Tatane. Il y a besoin de trois éléments robotiques supplémentaires. On est d'accord que le jeu est très fort. Je vais baisser un peu. Oui, d'accord, je vais baisser un peu. Allez, un dernier. Le voilà. Monte. Parce que comme ça c'est mieux. Alors, construisez un robot. Ok. Oh, c'est un petit avion. Qu'est-ce qu'il dit? Trouver le panneau de contrôle de l'ascenseur. Trouver panneau de contrôle de l'ascenseur. Hop. On va tenter, hein. Là. Ah, c'est ça. Faut passer comme ça. Ah, non. Que ça soit activé. Normalement, ça bouge, ça. Ok, je remonte. C'est pas, je me suis trompé. Excusez-moi, monsieur. Pas de soucis. Vous inquiétez pas. Je rentre. Ah bah, la flèche qui apparaît que maintenant. Ok. Ça nous avait manqué, le piston, hein. Bazooka. Mine de proximité, home, clé à molette. Ok.
Non, il n'y a pas de carte. Il ne semble pas qu'il y a de carte. Si je fais select, c'est ici. Je fais start. Non, il n'y a pas de carte. Ah, c'est une bonne chaîne de prod, hein. Avec les tapis qui sont électrisés. Là. Bien. Est-ce que... Guider le robot à travers le labyrinthe. Ok. Ludo, tu connais mes chaînes de prod sur Automachef, hein. Moi, je trouve que c'est normal. D'accord. Voilà, les ascenseurs sont réparés. Reprogrammer les robots, analyser les rayons I. J'imagine que si je viens là, ok, c'est là. Ouais, mais c'est là. Oh merde, il y a le noir. Ouais, c'est ça. Oh merde, viens le voir. Oh. Oh non. Putain, il est encore là. Ta gueule. Parce que plus de vie, par contre. Ouah, bah voilà. C'est foutu. C'est ça. Faut vraiment que je vous trouve l'émulation Game Boy Color. Enfin, même pas Game Boy Color, c'était dans noir et blanc, donc...
Il nous manque encore 3 routeurs. Il manque encore 2 routeurs. Ah. Assembler des routeurs. Salut. Est-ce que la capture du jeu est pas trop dégueulasse? Et vraiment, c'est en système D pour filmer ma PlayStation 2. D'accord. Ouais, ça peut pas être de l'HD hein, et tout ça. C'est une PS2, hein, c'est pas... C'est moche, c'est normal. Il semble que... Oula. Le niveau se termine ici avec le bateau. Là on est clairement sur du cyberpunk 2077. Oh, je l'ai pas vu venir. Ok. Je sais pas si vous étiez là, mais récemment on avait fait un jeu entièrement sur cette chaîne Twitch. On avait fait Jenny le Clou et je suis en train de les diffuser sur ma chaîne YouTube. Vraiment, c'était un jeu que j'ai trouvé super cool. J'y ai rejoué encore après. Ah merde! Avec Mel. Et le découvre. Vraiment, si vous l'avez manqué, c'est dispo sur YouTube. C'est un super jeu. Putain! Comment ça se fait que la première fois j'y arrive sans problème? Et là? Trois essais, trois fois je manque le truc. Ah bah là. Ok. D'accord. Non mais là t'as bien vu que c'est moi qui... j'ai sauté dans le... Dans l'eau. T'as bien vu que j'ai fait exprès. Pour récupérer toute ma vie. Ok, bon, normalement. Oh. Ok. Vous avez toutes les pièces nécessaires. Accéder à la matrice de programmation. Tu.
Matrice de programmation. Bah, ça doit être au premier puisque c'est le truc qu'on n'a pas fait. Oui, c'est ici, ouais. C'est... Ouais, je sais plus si elle s'active toute seule ou si je dois l'activer au cas où. Je crois que c'est moi qui dois choisir de l'activer. Pas sûr que ça soit conforme. Ça va être la matrice de reprogrammation, ok. Là je peux rien faire. Là je peux. Déplacer les routeurs sélectionnés et poser sur la plaquette. Faites-le pivoter et placez-le pour réorienter le laser vers l'espion ennemi. Quoi? Ah, attends. En gros, faut que ça aille vers le noir, ok. Ok, j'ai compris. D'accord. Ah. Et donc j'ai dit au robot que le méchant c'était noir. Ok. Ah c'est tout, il n'y a pas de boss ? Choqué déçu. Ah si, il a dû me mettre là. Échappez-vous de l'usine de robots, allez au sous-sol. Okay. De la vie en plus, je m'en fous, ça va le faire. Est-ce que je peux récupérer de la vie? Je suis revenu à zéro.
Il a la Gatling. Ah putain, ouais. Un coup de lance-pierre, ouais. Ah, le sound design que je me prends dans les oreilles. Ça fait plaisir. Ah putain! Voilà. Et pas infini, il y a une barre de munitions. Non, ça restait là pour cette troisième vidéo. Et même pour le stream, je pense. Juste regarder, mais en gros, on va s'arrêter là. Juste regarder, c'est quoi le prochain. La plateforme pétrolière. Donc celle-là, je la connais. Et après, le manoir, j'étais bloqué. Et ben on fera ça une prochaine fois. Juste regarder en vitesse, quitter. Oui. Espion. Ah, tu peux faire ton propre espion, trop cool. Les multijoueurs, tu pouvais jouer à combien? En local? Combien d'humains? 2. Ah.
Allez, c'était la PS2. Type de partie, manoir, folle foire, usine de robots, plateau en pétrolière. Classique, deathmatch, dernier survivant, prêt à tirer, vraiment mad. Ouais, mais tu sais, t'avais un truc pour mettre 4 manettes. Genre Crash Bandicoot, enfin Crash Team Racing, ça fonctionnait avec ça. En LAN. Allez, branchez votre PSE. En ligne. Alors. Ok. Et eh ben voilà, c'était Spy vs Spy pour l'instant. On continuera peut-être plus tard parce qu'en vrai, ça m'a plu de y rejouer. Et ça s'est. Ça a glissé tout seul. Donc pourquoi pas. Des bisous, à la prochaine.